Bonsoir et bienvenue à l'entrevue d'après-match avec l'instructeur en chef des Panthères. Martin, on a eu quand même une bonne performance, je pense. Quelles sont tes premières impressions de la sortie des tiens ce soir? Déjà, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un bon match à notre équipe à soir. Autant dans la manière de jouer, de gérer des moments du match, puis de l'émotion qu'on voulait amener au départ, tu sais, puis montrer des dents qu'on était prêt, qu'on était prêt à changer ça de bord, qu'on n'était pas prêt à mourir, ce qui est encore le cas d'ailleurs, là. Mais non, je pense que c'est une bonne performance. C'est sur la clôture, sur le match, sur la ligne qui aurait pu tourner d'un bord comme sur l'autre. Puis je crois qu'un peu comme souvent dernièrement, là, manque d'opportunisme fait en sorte que, ou je dirais un meilleur, plus d'opportunisme de l'autre côté fait en sorte que le match tombe sur leur bord. Mais quand on regarde le match de façon comment il s'est construit, comment les deux équipes se jouent, la hargne entre les deux équipes, tout ça, je pense qu'on est là. Je pense qu'on compétitionne. Je pense qu'on a notre place avec une équipe de ce niveau-là là, qui a fini troisième dans l'année avec ce groupe exact-là. Là. Mm-hmm. Je pense qu'on compétitionne bien avec eux. Là, il faut trouver la petite manière là, de venir au-dessus encore, de marquer le but ou les deux buts, tu sais, qui va nous amener, tu sais, à 1-0, d'aller à 2-0 peut-être, ou à 2-2, d'aller chercher ce but-là de plus, au lieu que ça soit de l'autre côté, tu sais, que l'autre côté, ben les autres, justement, ils arrivent une fois, puis Vincent a joué un très fort match ce soir, là. Mm-hmm. Mais il arrive, puis là, une chance, puis là, bam, elle rentre, puis là, ben là, tu sais, comme ça donne. Ça donne de l'énergie positive à un groupe, ça. Alors que l'autre groupe, que lui, il forçait, puis il était tellement proche, puis là, c'est lui qui se fait scorer, ça donne de l'énergie négative. Fait que, tu sais, on a trouvé la manière de revenir en troisième période des lancers, on finit 14-9 pour nous, on s'est vraiment donné une go. D'ailleurs, on a plus de lancers qu'eux ce soir. J'ai hâte de voir les chances de marquer, là, mais on va tout en regarder ça. Mais j'ai un peu expliqué globalement comment j'ai vu le match. Là, tout de suite, à chaud. C'est comme ça que je me sens pour l'instant sur la performance. Je regarde la liste des hors alignements. C'est toute une ligne qui manque. Ah, je suis d'accord, mais sauf que c'est, je veux dire ça, nous on le sait depuis quand même un petit moment. Là, fait que, ouais. T'sais, même si c'est vrai, puis on peut en parler, puis on peut se le dire, il reste que nous, là, on est encore dans l'exercice. Exact. Fait que, t'sais, on pense pas à ça. T'sais, on joue, les gars sont là, les gars ils se donnent, les gars ils donnent l'énergie qu'il faut. Fait que, tu sais, comme un ours, là, OK, tant que t'as encore des griffes et des dents, tu peux te défendre. Ça fait que c'est ça qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on dit à sa game un coup qu'on est rendu ou ce qu'on est rendu là? Exactement ce que je viens de dire à propos de l'ours, là. On a encore des griffes, on a encore des dents, puis on va se défendre jusqu'à la fin. Tant que c'est pas fini. Puis après ça, je peux sortir un million d'exemples, là, que c'est déjà arrivé. Tu sais, depuis le début de la série, je veux dire, on est dans chaque match. On s'est pas fait déclasser une fois, on compétitionne, c'est vraiment là sur le fil. C'est tout le temps, tu sais, souvent, en tout cas à date, là, c'est souvent sur l'opportunisme. Eux, ils en ont un petit peu plus que nous. Quand, mettons, ils font une erreur, là, nous, on arrive, tu sais, puis on arrive, tu sais. Tu sais, le but, moi, mes joueurs sont convaincus qu'ils étaient dedans là, à la fin, là, quand il est arrivé le jeu. Moi, je peux pas le voir, puis je pourrais jamais me positionner ou me prononcer là-dessus. C'est ça. Mais c'est toutes des petites affaires de même, tu sais. Fait que là, si, mettons, elle rentre, la game, elle change, c'est 3-3, c'est toutes des petites affaires de même, alors qu'eux, justement, lancent la rondelle à la ligne bleue, à débit sur notre défenseur au passage, le gardien la voit pas, elle passe en arrière, la game est 1. Moi, je trouve qu'à ce moment, ça joue à ça. C'est au jeu du hockey, on compétitionne avec eux. Mais peut-être que ça revient à ce que tu me parlais un peu plus tôt au sujet du match-up qu'on a un contre l'autre. C'est une équipe qui n'est pas évidente à jouer de l'autre côté. Beaucoup de réussite. Ouais. D'autres questions? Ce sera tout pour l'entrevue. Puis vendredi, on. Ah ouais, je vous dis, on n'est pas mort. C'est ça la beauté du hockey. Faut que tu la gagnes la dernière game. Là. Tu peux pas juste espérer que l'autre va te la donner. C'est comme ça. Il faut que tu ailles la chercher. Fait que garantis que tu retournes l'autre. Yes!
À la prochaine. Merci. Merci.